Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Musée des Confluences, au Lyon BD Festival et à cette vraie fausse conférence consacrée au marsupilami. Parce que quand on prononce ce nom, marsupilami, vous avez sans doute en tête un animal de BD, humoristique, fantastique. Vous avez aussi peut-être des noms qui vous viennent en tête. Franquin, Spirou, Fantasio, peut-être plus récemment lié au cinéma, le cinéma d'Alain Chabat. Mais attention, ici, point de fiction, on va parler science, le marsupilami existe et on va le prouver avec nos deux invités, ici Franck P. et Jean-Sébastien Steyer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Franck P., vous êtes auteur, dessinateur du marsupilami dans la nouvelle série La Bête, parue aux éditions Dupuis. Jean-Sébastien Steyer, vous êtes paléontologue au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette conférence scientifique et pas scientifique, pour reprendre tes propos, Jean-Sébastien. On va discuter du marsu ensemble. On va dire qu'il existe et vous allez nous dire pourquoi. Et puis, après cette discussion, vous pourrez poser toutes les questions qui vous taraudent ici dans cette salle ou aussi en ligne. Vous les écrivez, on les posera à la fin de la rencontre. Avant ça, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous racontiez chacun comment le marsupilami est entré dans vos vies, à vous, Franck. Alors, très jeune, puisque j'étais haut comme trois pommes, dans la maison familiale, il y avait le magazine Spirou chaque semaine, et puis après Tintin, Pilote, etc. Et donc, c'était la période la plus intéressante du journal Spirou. L'époque qu'on appelle Delporte, en direct de la rédaction, enfin quand tous les grands classiques de la bande dessinée franco-belge étaient à l'œuvre et publiés, et notamment Franquin qui dessinait les aventures de Spirou et Fantasio et Gaston Lagaffe, et il y avait le marsupilami dans ces personnages-là. Voilà comment le marsu est arrivé dans ma vie. Donc c'était d'une manière très naturelle. Il existait déjà comme tous les autres animaux. Et après, tu as rencontré Franquin. Alors bien plus tard, évidemment, vers 17 ans, je décide de faire de la bande dessinée. Suite d'ailleurs à la lecture d'un livre qui s'appelle « Comment on devient un créateur de bande dessinée » qui était une interview de Franquin et de Gigé. Je participe aux séances de dédicaces où Franquin dessinait. J'essayais de comprendre comment ils faisaient. Quand ils allaient boire une bière après, j'étais là derrière les tables à les observer, croyant tout comprendre rien qu'en les regardant, tous ces grands personnages. Et puis, en fait, il racontait des blagues, hein, c'est tout. Et puis après, quand j'ai commencé à publier dans Spirou, je m'occupais de l'animation du journal et Franquin passait de temps en temps à la rédaction. Et il se penchait au-dessus des épaules de ces jeunes et il balançait quelques vannes, il était très gentil. Et nous, on était tétanisés par... Tétanifié, c'est pas mal comme mot. C'est bien. Ça, c'était la première manière de le voir en tant que professionnel, c'est-à-dire pas très glorieuse. J'ai pu le croiser une fois que j'étais devenu professionnel avec des albums publiés, etc. Là, il avait vu mon travail et il a eu le chic de m'inviter au restaurant et j'ai pu passer 3-4 heures avec lui en tête à tête. Et on a parlé de tout et de rien, et notamment du musée d'histoire naturelle, de l'Institut d'histoire naturelle de Bruxelles. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard, parce qu'on a eu les mêmes émotions au même endroit avec une ou deux générations de différence, évidemment. C'est une bonne manière de donner envie d'écouter tout le long de cette conversation. Jean-Sébastien, toi, il est entré comment dans ta vie, le marsu? Alors, par la bande dessinée, hein, je n'ai pas eu la chance de rencontrer en chair et en os Franquin, mais je me souviens, gamin, tournant les pages des bandes dessinées, rentrant vraiment dans les cases
et m'imaginant un peu comme Fantasio, faisant des expéditions dans des pays lointains avec le marsu et essayant déjà d'identifier l'animal, cet animal bizarre qui est une sorte finalement de chimère, mais une chimère réaliste. En fait, grâce à Franck, qui prend une allure vraiment plausible en termes d'anatomie, en termes de biologie. Elle était déjà vraiment intéressante. Hein, le marsu 1.0 de Franquin est déjà superbe. Et c'est en fait cet être-là qui a peut-être titillé le jeune futur paléontologue pour s'intéresser un peu plus à l'évolution de la vie, à la biologie, et puis évidemment aux dinosaures, comme tous les petits garçons pratiquement. Et puis le stade dinosaure est resté, et j'ai le plaisir d'en faire mon métier aujourd'hui. Alors vous êtes tous les deux allés en Palombie. J'aimerais bien qu'on parle de vos voyages respectifs. Déjà, Franck nous a apporté une carte de Palombie pour que vous puissiez tous situer exactement où c'est. Voilà, c'est juste là. Franck, explique-nous la Palombie. Donc la Palombie se situe là un peu au nord-ouest du Brésil, ça touche le Venezuela. Donc on voit bien, on devine le biotope très tropical de ce pays. J'ai eu la chance d'y aller il y a 6 mois à peu près, et je dois dire que c'est une épreuve, parce que c'est quand même un pays qui ne va pas très bien avec un dictateur. 49% de la population a été mise en prison. Il faut dire que 48% s'en est échappé aussi. C'est le royaume du bakchich tout le temps. Et d'ailleurs, sur tous les papiers administratifs qu'on doit échanger tout le temps, enfin, il faut des permis pour tout, presque pour respirer, quoi. Ils ont un cachet qu'on retrouve tout le temps où il est marqué en espagnol « probablement acquitté », ce qui permet aux fonctionnaires suivants de redemander, évidemment, le bakchich. Donc, on n'avance pas beaucoup dans un pays comme celui-là. Et moi, ce qui m'intéressait, la seule chose pour laquelle j'étais là, c'était d'aller visiter cette réserve des basses terres où ils affirment que le marsupilami existe et qu'on peut le voir. Alors, on est toujours entouré de militaires. Et j'ai fait des photos, j'ai vu des choses, mais à la douane, en sortant du pays, évidemment, ils m'ont pris ma carte mémoire. Mais j'ai quand même fait quelques croquis. J'ai notamment vu un nid de marsupilami abandonné. Mais tu ne sais pas si ce sont les militaires qui installent ces nids pour attirer les touristes, c'est ça? Mais c'est ça, on n'est jamais sûr de rien et on se demande s'ils ne l'ont pas construit pendant la nuit pour que les touristes y croient, quoi. Donc, ah non, pardon, c'est pas celle-là. Je vais y arriver. Hein. Qu'est-ce que tu avais réussi à photographier, toi, là-bas? Alors, j'avais des crottes au pied du nid. J'avais des choses, des écailles aussi d'œufs. J'avais photographié aussi des perroquets dont les plumes de la queue avaient été arrachées. Donc ça, c'est quand même un signe évident de la présence du marsupilami. Et puis, le fameux jaguar, aussi, avec la queue bouffée par les piranhas, ça, j'en ai vu passer un. Donc, c'est des signes qui ne trompent pas. J'entends les gens rire, mais en fait... Ah non, c'est scientifique. On parle de science, là. Donc voilà, le nid que j'ai pu croquer, peut-être de marsu, peut-être des militaires palombiens, je ne sais pas. Jean-Sébastien, qu'est-ce qui t'a amené en Palombie? En plus, toi, c'est sombre histoire quand même. Hein. Oui, parce que quand je travaille de par le monde, en fait, en tant que chercheur au CNRS, on doit d'abord faire une demande à notre administration. Donc ça s'appelle une demande d'ordre de mission. Et ensuite, nous sommes envoyés en tant que missionnaires pour aller chercher des fossiles, en fait, dans des pays plus ou moins lointains. Et ma demande d'ordre de mission a été refusée par le CNRS parce que la Palombie est une zone rouge avec une forte dangerosité. En fait, hein, le monde, selon le CNRS,
et finalement une sorte de carte avec trois couleurs. Vous avez les pays où tout va bien, enfin normalement tout est bon et c'est la couleur blanche. Vous avez une couleur orange, ce sont des pays que vous devez un peu plus justifier dans votre demande d'ordre de mission, et puis la Colombie c'est rouge. Donc en fait j'y suis allé d'une manière complètement officieuse, j'ai posé des vacances pour monter ma propre mission en fait en Colombie et explorer en fait cet écosystème très particulier à la recherche de fossiles, en sachant que malheureusement en fait dans les milieux forestiers il y a beaucoup d'humus, les sols en général sont assez épais, assez tendres, et du coup quand il y a des animaux morts, le pourcentage en fait de chances que ces cadavres-là se fossilisent est très faible, finalement. Contrairement à des grands déserts, nous, paléontologues, on a plus l'habitude de travailler en fait dans des déserts ou des milieux assez ouverts, où les carcasses des animaux, quand on travaille sur la paléontologie des vertébrés, par exemple, ont un peu plus de chances de se fossiliser. Donc, ça a été une mission très difficile déjà à monter, parce qu'il fallait trouver les financements. Il fallait ensuite trouver l'équipe de farfelus qui était partant aussi pour m'accompagner. Mais on a quand même réussi à faire quelques observations sympathiques et à trouver quelques restes intéressants dont on parlera tout à l'heure. Mais tu n'as pas été assommé à un moment pendant cette mission? Oui, ça ne s'est pas très bien fini, en fait. Alors, on va peut-être comprendre d'où il vient exactement par les classifications et phylogénie du marsupilami. Parce qu'il y a des croyances, il y a des choses qui ne sont pas très vraies. Jean-Sébastien, est-ce que peut-être nous expliquer ce qu'il naît, ce qu'il n'est pas, parce qu'il pond des œufs, puisqu'il a un nombril, puisqu'il a une queue. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Alors, c'est vrai que pour un mammifère, pondre des œufs, pour nous, c'est un peu contre-intuitif. Mais il faut savoir qu'il y a un groupe en fait, de mammifères réels qu'on appelle les monotrèmes qui pondent des œufs. Alors ce ne sont pas des œufs vraiment identiques aux œufs d'oiseaux ou de dinosaures quand on se penche vers la préhistoire. Merci Franck, super. Et ces animaux-là, parmi ces animaux-là, aujourd'hui il n'y a que deux principales formes, l'ornithorynque, hyper connu, et puis un peu moins connu, vous avez cette espèce de porc épique avec une trompe, un bizarroïde aussi, c'est l'échidné. Et l'ornithorynque, pour la petite anecdote, en fait, quand les premiers naturalistes ont ramené d'Australie cette bestiole-là, c'était des carcasses, en fait, les animaux étaient malheureusement décédés, mais les naturalistes du muséum ou d'ailleurs n'y croyaient pas. Ils pensaient en fait que c'était un canular de taxidermiste, c'est-à-dire des farfelus qui ont pris un bec de canard, qui l'ont monté sur une sorte de gros rat ou de gros rongeur, en rajoutant une queue de castor, des pattes de taupe et puis des petits ergots parce que l'ornithorynque est venimeux. Ça se faisait beaucoup à l'époque, notamment oui. Pour les sirènes, les prétendues sirènes, et le public visé, c'était les cabinets de curiosité. C'est ça. On était en pleine époque des grandes explorations naturalistes, et on ramenait, en fait, c'est comme ça que les collections, finalement, se sont constituées en Europe, et on ramenait, en fait, des animaux bizarres. Dès que c'était un peu bizarre, c'était catégorisé comme chimère, alors que certaines morphologies, en fait, sont bien réelles. Et ce qui est intéressant dans le marsupilami, c'est cette mixité de caractères. On parle de mosaïque de caractères en paléontologie quand on a affaire à une sorte de chimère naturelle, quoi. Vous avez chez le marsupilami une énorme queue, très souple et très robuste à la fois. Vous avez un pelage très particulier et ils pondent des œufs comme les monotrèmes. Alors, la question qu'on se pose, nous, aujourd'hui, paléontologues et biologistes de l'évolution, c'est est-ce que le marsu est un monotrème qui présente ce qu'on appelle des convergences évolutives, c'est-à-dire des ressemblances adaptatives vers les primates, par exemple, ou au contraire, est-ce que c'est un primate qui aurait un petit peu muté ou qui aurait eu en fait un amnios, c'est-à-dire une couche embryonnaire qui se serait calcifiée, et du coup on a l'impression qu'il pond des œufs. Donc là, il y a tout un champ disciplinaire multidisciplinaire
deux paléontologues, deux collègues aussi généticiens, deux collègues anatomistes, deux collègues spécialistes aussi dans l'anatomie comparée qui vont plancher sur le cas du marsu et essayer de mieux comprendre le marsu, de placer en fait le marsupilami, dans l'arbre de relation de parenté des mammifères. Là, c'est ça, c'est l'arbre évolutif des mammifères que tu nous as ramené. On le voit où ? On va où, là ? Alors, et où ? C'est en cours. Hein, ce sont des études en cours très sérieuses, puisque avec Franck et un collègue belge, nous allons, il y a de fortes chances que nous allons encadrer, en tout cas proposer un sujet de master en paléontologie pour réaliser une phylogénie du marsu et pouvoir enfin répondre à cette question essentielle sur l'évolution des espèces. Il faut dire que la tâche est ardue, parce que quand on parle des monotrèmes, c'est vraiment des mammifères très primitifs, très anciens. Or, le marsu, qui serait un monotrème, a des adaptations qui font penser aux mammifères les plus évolués. Donc le chemin de convergence est énorme et il y a du travail pour les scientifiques. Ça mérite bien un master. Le musée a pour nous et pour cette conférence sorti des objets très précieux et très, très rares. Jean-Sébastien, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter du coup ce que le marsu n'est pas et quel lien il y a avec les objets présentés ici ? Oui, là, le musée a mis à dispo des spécimens assez exceptionnels. Vous avez en fait le koala, que vous connaissez, hein, que l'on rapproche en fait souvent du marsu, mais ils sont bien différents, même si on reste en fait dans le groupe des mammifères. Je mets des gants parce que, en fait, je devrais commencer déjà par ça. Ça, c'est une peau d'oslo. C'est une sorte de félin en fait sud-américain qui présente presque exactement les mêmes motifs de pelage en fait du marsupilami. On parle de pattern en fait et ces patterns là de rayures, zébrures ou des taches plus ou moins bien organisées selon en fait la disposition sur le corps, ce sont des adaptations à différents types de milieux, différents types de comportements. Ce sont des adaptations et des observations que les collègues spécialisés dans les reconstitutions paléontologiques reprennent. Parce qu'on nous pose souvent la question, mais comment vous faites pour connaître la couleur, par exemple, des dinosaures ? Eh bien, en fait, un fossile, c'est vrai qu'un fossile, par définition, est très fragmentaire. Et pour mettre des couleurs ou des taches ou des zébrures, on se base, en fait, sur les animaux actuels. Par exemple, quand vous avez un organisme comme le zèbre qui est plutôt herbivore et qui va vivre dans une savane plus ou moins arborée, et si cet organisme-là vit en troupeau, il a tout intérêt peut-être à développer en fait, des zébrures pour peut-être brouiller la vue d'un prédateur qui va passer par là. Donc, il y a des adaptations qui sont intéressantes en fait, à voir. Autre adaptation... Je me permets de te couper parce que j'ai une anecdote à ce propos assez incroyable. J'ai quelques aquariums à la maison. Et dans un des aquariums, j'ai ce qu'on appelle des poissons jaguars. Ce sont des petits poissons chats d'une quinzaine de centimètres. Et ils ont exactement la même couleur et les mêmes taches, mais totalement les mêmes que les jaguars. Et ils ont l'air de répartition qui colle exactement au jaguar. Or, le jaguar mammifère vivant dans les branches et le poisson étant dans l'eau, ils sont quand même assez éloignés. Eh bien, là, la convergence a joué entre ces deux animaux très, très éloignés. C'est étonnant. Et oui, oui, et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la magie de la convergence évolutive où on peut retrouver des caractères adaptatifs chez différents groupes. Le cas classique en fait, qu'on voit tous à l'école au début, c'est par exemple la comparaison entre un poisson osseux pélagique, hein, accélérateur, éventuellement comme un thon, le dauphin, et puis si vous rajoutez une couche de temps en paléontologie, vous avez l'ichthyosaure. En fait, ces trois organismes-là, ce sont trois groupes complètement différents, poisson osseux, reptile pour l'ichthyosaure, au temps des dinosaures, et puis cétacés, donc mammifères, mais la contrainte du milieu physique fait que l'évolution étant une sorte de
de variations en continu, le milieu physique va retenir ou pas, à coup de sélection naturelle, en fait, des organismes qui peuvent être un peu plus adaptés, un peu plus performants, entre guillemets, que d'autres, éventuellement. Ce sapajou. Voilà. Un autre cas de belle convergence évolutive avec le marsu, c'est, ça, c'est un petit, une sorte de capucin, sud-américain également, donc qui côtoie, hein, ces deux espèces-là, côtoie peut-être le marsu, et ce capucin-là présente en fait une jolie queue préhensile. Et on parle en fait vraiment de cinquième membre, parce que non seulement la queue, classiquement chez les primates, quand les primates ont des queues, hein, tous les primates n'ont pas une queue relativement allongée, mais quand il y a une queue, on voit que la fonction est souvent associée à l'équilibre corporel, l'équilibre lors du déplacement, en fait, et souvent dans les formes arboricoles, donc qui passent vraiment quasiment toute leur vie en fait, dans les arbres, ce qui n'est pas forcément le cas du marsu. Vous avez éventuellement la sélection naturelle, en fait, retient des organismes avec une queue qui permet aussi de maintenir la bête dans les branches. On a une queue, en fait, qui fait le tour quasiment de la branche et qui sert vraiment de quatrième main. L'animal peut même, pendant un certain temps, se pendre sur sa queue pour choper des fruits ou d'autres organismes. Et donc, on a aussi là un beau cas de convergence. Et alors, que fait ce koala ici ? Alors, ce koala, il est donc, il n'est pas sud-américain, hein, il est australien, évidemment. Et on l'a mis là pour vous montrer que, ben, finalement, il a assez peu de différence avec le marsu, même si on confond souvent marsupilami et marsupio. Là, vous avez un marsupial, effectivement, mais qui n'a rien à voir, en fait, avec le marsu. On peut peut-être éventuellement retrouver une petite convergence évolutive au niveau du museau, puisque le marsu de Franck, qui serait peut-être une nouvelle espèce, hein, par rapport à celle de Franquin. Donc, encore une fois, les scientifiques sont en train de travailler très sérieusement, en fait, sur ce cas de figure. Mais le marsu de Franck présente une petite convergence, peut-être, au niveau du museau, puisqu'on a un museau qui est assez allongé par rapport, en fait, au museau un peu plus juvénile de Franquin, un museau qui présente en fait ce qu'on appelle, nous, une région pré-orbitaire un peu plus grosse par rapport à la région post-orbitaire. Bon, donc c'est encore à l'étude tout ça, mais on commence de mieux en mieux, grâce aux collections du musée, à cerner en fait cet animal énigmatique. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Pour finir le tour, Franck, toi, tu voulais compléter avec une tortue. Est-ce que tu peux... Toi, tu as une tortue déjà parce que tu as une passion pour, aussi pour les reptiles, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Mais tu as une tortue qui a un nombril. Est-ce que tu peux nous... Oui, c'est ça, une tortue qui a un nombril. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu as voulu en parler? Alors, c'est une réflexion que j'ai entendue depuis très longtemps. C'est que, ouais, le marsu, il pond des œufs, mais il a un nombril. Alors, c'est impossible. Si on est dans un œuf, on n'est pas un mammifère, voilà. Et en fait, non. Parce que moi, je me suis occupé de reptiles pendant tout un temps. Et encore maintenant, j'ai quelques tortues à la maison qui se reproduisent. Et j'ai pu observer, et je vais vous le montrer, que chez les reptiles qui sortent des œufs, il y a évidemment une liaison entre le bébé tortue ou crocodile ou iguane et le sac vitellin. Et à la naissance, ce cordon peut encore être là. Et voilà un bébé tortue. Donc, vu sur le dos, évidemment, hein, je peux vous le montrer, mais ici c'est remarquable, on voit vraiment cet énorme nombril là qui le rattachait au sac vitellin et qui va se refermer en quelques semaines, ça va se cicatriser et les écailles vont se refermer. C'est quelque chose que j'ai pu observer chez plusieurs espèces de reptiles. Et donc, dire que le nombril du marsu est impossible puisqu'il sort d'un œuf, c'est faux.
J'aimerais bien qu'on parle maintenant de la manière dont on représente le Marsu. Franck, tu as trouvé des premières illustrations qui datent de quand du XVIIe, c'est ça? On a des premiers dessins du Marsu ouais. À ce moment-là? Dans un gros bouquin d'explorateurs espagnols en Amérique du Sud, on a déniché une gravure qui montre cet animal effrayant qui serait la première représentation du marsupilami. Alors ça ne trompe pas, hein. Évidemment ça a été très déformé, à l'époque on fantasmait beaucoup, mais on a déjà cette truffe évidemment, on a les oreilles caractéristiques, le pelage tacheté et la très longue queue. Comme ils ne pouvaient pas imaginer qu'une queue comme le marsu existe, ils l'ont fait beaucoup plus épaisse à la base et beaucoup plus fine à la fin. Mais voilà encore une trace très intéressante. Et il l'appelait le cola cola. Ce cola veut dire queue en espagnol. Merci beaucoup, Franck. On va voir maintenant comment toi, tu l'as dessiné. Et puis peut-être déjà expliquer, juste avant que tu ailles t'installer à la table, pour nous montrer sur quoi tu t'es appuyé, comment tu as fait évoluer aussi ton marsu par rapport à celui de Franquin. Hein. Il y a une différence notable entre le tien et celui de Franquin, c'est que... celui de Franquin a l'air plus jeune, a un côté plus juvénile, plus enfantin. Il est surtout plus humoristique. Franquin avait un style fait pour faire rire ou sourire. D'ailleurs, lui-même était obsédé par le rire. On ne pouvait pas passer trois minutes avec Franquin sans qu'il vous sorte un gag. C'était une obsession chez lui. Il faut dire qu'il venait d'une famille très sérieuse et que c'était une réaction viscérale chez lui. Il fallait rire tout le temps, tout le temps. Et donc son style de dessin a été conçu pour faire rire. Et forcément, quand il a créé cet animal, alors est-ce qu'il l'a créé ou est-ce qu'il l'a dessiné d'après? Ça, c'est encore une autre histoire, on peut en parler. Mais donc cet animal a été créé dans un style humoristique avec une tête... qui m'a posé un grand problème, parce que une tête ovale comme ça, il n'y a pas d'équivalent dans le monde animal. On a beau faire le tour de toutes les espèces, jamais on va trouver une tête qui est ovale allongée comme ça. Donc j'ai eu des gros soucis. Alors comme tout le monde, j'ai essayé d'en faire un lémurien, enfin... Tout ce qu'on pouvait faire avec cet animal, ça ne marchait pas. Et finalement, voilà, ici, j'ai un document qui montre un petit peu ce souci. Donc, on a le marsu humoristique. Il fallait le transformer en animal réaliste. Une source, c'était les grands singes, chimpanzés, gorilles. Pour le corps, on est peut-être plus proche des gibbons et des siamangs. Les membres, les mains sont très clairement celles du chimpanzé. Et ça, c'est donc la mauvaise piste, les marsupiaux, qu'on va oublier. Alors, ce qui m'a sauvé, mais je vais vous le dessiner, ça sera plus simple. Donc, Franquin, il a... une tête comme ceci. On va peut-être attendre. Voilà. Il a une tête ovale. J'exagère un peu. Hein, avec un nez en patate. Et puis deux yeux là. Des sourcils qui souvent dépassent de la tête. Et à peu près, voilà, un marsupilami. Manque plus que les oreilles. Et on y est. Et tant que je restais sur ce schéma-là, je n'y arrivais pas. Et en fait, ce qu'il fallait faire, et ça je l'ai compris en tombant sur le crâne un ours malais, c'est ne pas écraser la tête dans ce sens-là, mais d'avant en arrière. Et donc, si je le fais comme ceci de trois quarts, avec le nez ici, les yeux là, les oreilles là, on a un ovale qui est allongé vers l'arrière.
Donc on est toujours dans un animal avec une tête très ronde, très sympathique, qui joue sur ces formes-là, mais c'est beaucoup plus crédible parce que ça existe. Je vais vous le montrer, c'est l'ours malais. Ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est de faire un coup quasi inexistant, c'est-à-dire que les épaules sont, comme chez l'orang-outan, très hautes par rapport à la tête. Ça donne directement un animal beaucoup plus puissant, primitif, avec la toison qui vient garnir la poitrine. Et voilà, on a un marsu. Vous voyez la distance qu'il y a entre les deux. Je vais vous montrer les documents. En attendant, Jean-Sébastien, est-ce que tu veux réagir, toi, justement, à cette évolution ? C'est vrai que ce réalisme-là, une tête plate, enfin élargie latéralement, chez les mammifères, bon, il y a la fourrure qui peut un peu tricher, mais en général, c'est quand même très rare. Alors, on peut imaginer des arcades, en fait, zygomatiques, des arcades sourcilières hyper développées qui étendraient, en fait, latéralement la tête de l'animal visuellement, si je puis dire, mais ça collerait pas trop, en fait. C'est vraiment top d'avoir plutôt opté pour un allongement, enfin, un élargissement antéro-postérieur plutôt que latéral. Surtout que quand vous avez une tête plate assez élargie, typiquement, vous êtes plus dans le registre des amphibiens. On pense aux amphibiens qui sont d'ailleurs repris de temps en temps aussi en termes de créature design. On pense à Jar Jar Binks chez les Naboo. Dans Star Wars. Voilà, dans Star Wars, on a affaire à des êtres en fait imaginaires, certes, mais qui évoquent un peu des caractères morpho-anatomiques d'amphibiens. Là, il faut coller à la nature même réelle du marsu, c'est-à-dire à l'ADN de mammifères, quoi. Donc, le choix d'une représentation de type ursidé, en tout cas carnivore, est vraiment top, quoi. Donc là, c'est l'ours malais, c'est la plus petite espèce d'ours qui existe. Un ours assez mobile d'ailleurs, très intelligent, avec un gros nez, et puis ses petits yeux très expressifs. C'est un ours chez lequel on voit très bien le blanc au-dessus de l'œil. Ça rend un œil très, très mobile, très, très expressif. Les oreilles très courtes. Donc voilà, c'est un peu cet animal-là qui m'a sauvé, en fait. Sinon, j'étais bon pour adapter les schtroumpfs et ça aurait été une autre... Ce sera une autre conférence. Et pour le reste du corps, Franck, dis-nous, comment t'as procédé pour dessiner le corps du marsu ? Alors ça, c'était plus facile, comme j'en ai parlé avant. C'était plus le siamang, le gibbon... il fallait trouver plutôt alors sa gestuelle, comment un animal réaliste peut aussi se déplacer et tenir en équilibre avec une queue de 8 mètres. C'est pas évident. Donc il fallait des muscles qui sont capables de relever la queue pendant qu'il marche, qu'il court. Ça voulait dire aussi que le corps, quand il soulève la queue, le corps se soulève aussi pour faire balancement. Ce sont toutes des choses comme ça qu'il faut penser un moment et puis qui, dans le dessin, quand on le met en vie, vont le rendre crédible, en fait. D'autant plus que mon marsu, au début de l'histoire de la bête, il est complètement foutu. Donc, il ne va pas avoir d'emblée un comportement d'un animal épanoui qui va bien, où tout fonctionne bien. Non, il est mal foutu. Et il a un peu de mal à ne fût-ce qu'émerger d'un coma prolongé. Jean-Sébastien, sur le corps du marsu, que dit la science ? Eh bien, la science parle toujours de convergence évolutive, ce qui brouille les termes en termes de phylogénie, c'est-à-dire de relations de parenté, de cousinade avec d'autres mammifères. On observe une convergence évolutive, des convergences évolutives claires avec les primates, et notamment des membres antérieurs assez,
assez allongé, une locomotion de type quand le marsu est à quatre pattes au sol, parce que le marsu peut courir sur ses deux pattes arrière uniquement, mais de temps en temps, il a une posture de knuckle walking. On parle de knuckle walk, c'est la posture typique du gorille en fait, qui bombe le torse et puis qui pose en fait, non pas cette partie-là du doigt au sol, mais plutôt là, cette phalange-là. En fait. Bon, il y a des subtiles différences hein, dans le knuckle walking, mais voilà, ici vous avez toutes les postures en fait possibles et inimaginables du marsu, et ça, j'imagine bien que c'est des semaines, voire des mois, des années d'observation d'animaux actuels qui permettent en fait de mieux appréhender l'animal, et c'est l'importance du dessin finalement naturaliste que je défends. Aussi, dans la formation de paléontologue, je dis souvent aux jeunes, pour être un bon paléontologue, il faut être aussi un bon dessinateur. Alors, certains s'effondrent. Ah oui, mais moi, monsieur, je ne sais pas dessiner. Mais ce n'est pas grave, tu ne sais pas dessiner. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des cours de dessin scientifique au muséum à Paris ou ailleurs. Et c'est vraiment dans l'observation qu'on apprend à décrire, en fait, les morphologies. Quand vous avez... comme c'est le cas dans mon cas, uniquement des restes osseux, le fait de les dessiner d'une manière quasi chirurgicale, en fait, vous aide à rentrer dans la morphologie. Exactement comme Franck l'a fait en Palombie, il est rentré dans la morphologie du marsu et on a des sketchs, enfin des crobars en français, qui permettent de mieux comprendre en fait l'animal, et évidemment toute la communauté scientifique va exploiter toutes ces informations là pour prochainement essayer d'identifier encore une fois l'animal. Un mot aussi sur le comportement du marsu. Quand je vous ai posé la question en préparant cette conférence, vous me disiez mais c'est un animal doté du don d'empathie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Mais Franquin l'avait bien montré, c'est un animal qui est capable de rire. Et ça, c'est, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a d'autres mammifères qui sont capables de rire. Est-ce que les grands singes... Ils jouent, il y a des mammifères qui... Le dauphin joue avec ses espèces de bulles d'air et puis il s'amuse à passer dans ses anneaux. Il exprime son contentement. Voilà, mais le marsu va au-delà, effectivement. Oui, lui, il a vraiment un rire qui se marque facialement. Alors ça, c'est une chose qui prouve aussi sa grande intelligence, parce que le rire, le jeu, est une preuve d'intelligence. Mais il est aussi doué d'une forte empathie. C'est-à-dire qu'il perçoit les émotions chez les autres êtres vivants autour de lui. Ça lui permet d'être en contact avec non seulement certains animaux qu'il côtoie dans la jungle, mais avec les êtres humains, ça marche aussi. Je vais vous faire un scoop. J'aimerais bien faire, peut-être, un jour, une histoire d'un marsupilami qui rencontre un amoureux transi. Alors, comment va-t-il réagir? C'est un beau sujet. Avec toute sa capacité animale à résoudre des situations, on peut imaginer que ça aille vers un happy end. On va attendre ça avec oui, c'est pas pour demain. et sur... sur sa manière de communiquer. Comment il communique, le marsu? Alors là... par tous les signes d'un animal évolué, et notamment par l'écrit. L'écrit, le regard, la posture corporelle aussi, comme les primates. Un regard... directement au sol, évite le combat et plutôt dans l'optique d'une soumission. Un regard qui s'oppose va éventuellement permettre à l'animal de rentrer en conflit. Donc complexité aussi au niveau de la hiérarchie des groupes d'individus différents. Le cri, évidemment, hein, des bioacousticiens se penchent sur différents types d'enregistrements
qui ne sont pas encore sortis de Palombie. Hein. Bon, on est en train de négocier avec les autorités pour avoir, comme toi avec tes photos, en fait, des enregistrements bioacoustiques, parce que la bioacoustique est une discipline à part entière aussi en sciences naturelles. C'est souvent aussi par les sons que l'on peut identifier les animaux. Donc peut-être que les différents sons bien connus, hein, tu as dû en entendre. C'est le ouba-ouba bien connu, puis le oubi pour la femelle, les bi-bi-bi pour les jeunes. Et puis récemment, on aurait découvert que quand il est touché émotionnellement, il dit simplement « ba ». Quels sont les prédateurs du marsu ? Le jaguar, mais il n'a pas la vie facile. Mais le plus grand prédateur manifeste, c'est l'homme. C'est l'homme aussi, j'ai envie de dire. Malheureusement, on impacte de plus en plus sur son environnement, sur son écosystème. Il y a un réel problème de déboisement aussi, de déforestation en Palombie, comme malheureusement dans beaucoup d'autres endroits en Amérique du Sud et ailleurs aussi sur la planète, ce qui réduit les aires de répartition des espèces naturelles. Et le contact non pas naturel entre nous et les animaux qui vivent dans ces milieux-là, pousse aussi certains agents pathogènes, hein, je ne vous fais pas de dessin, avec la Covid, à passer d'une espèce porteuse où tout se passe bien naturellement à une espèce un peu plus peut-être sensible comme la nôtre, qui va récupérer par cette mise en contact de force à cause de la déforestation des agents pathogènes. Alors, est-ce que le marsu est un bouillon de culture qui, dans son pelage, aurait beaucoup de virus, on ne le sait pas encore. En tout cas, mon équipe n'est pas au courant. On n'a pas encore vraiment observé de pelage d'animaux. Voilà, on a quelques traces. Tu as parlé de crottes. Hein, les excréments sont très importants, y compris en paléontologie. On parle de coprolites. On n'a pas vu de marsu avec un masque. Hein. Donc c'est bon, croisons les doigts. Mais voilà, ce qui montrerait aussi peut-être que le marsu présente un système de défense naturelle assez aussi important qui permettrait peut-être de le sauver aussi. Et peut-être ça explique le fait que le marsu s'intéresse plutôt aux enfants dans sa manière de communiquer. Ah oui, sa capacité d'empathie le fait plutôt aller vers les enfants, évidemment. Ça, c'est clair et net. Les adultes, ils s'en méfient. Et alors, j'aimais beaucoup ta remarque qu'on a faite avant, quand on parlait ensemble du marsu. Tu disais que sa rareté dans la nature et sa difficulté à en faire des observations provenaient peut-être de sa grande intelligence qui le faisait fuir l'être humain pour ne pas être mis en contact avec tous les problèmes que l'humain charrie, maladies, comportements, déforestation, etc. Tout à fait, c'est une preuve d'intelligence. Le fait qu'il ne soit pas encore rentré en contact avec nous montre une intelligence bien supérieure à la nôtre. C'est pour ça que tu as choisi de nous le montrer en train de nous tourner le dos, là. Ça pourrait. Il n'a pas l'air très content. On le sent. Je ne sais pas, on le sent. C'est quel comportement du marsu que tu préfères, toi, dessiner ? Ah, je le préfère quand il est très primitif, quand il est vraiment dans sa dégaine un peu de gorille, là, mais qu'en même temps, il dégage une grande tendresse. Voilà, c'est un animal aussi qui peut rêver devant un coucher de soleil, s'amuser devant un vol de colibri. Et cet animal, pour ça, est magnifique. Il a une dimension poétique. Et est-ce que tu as senti une pression de Franquin quelque part au-dessus de toi quand tu dessinais le marsu ? Mais en tout cas, Franquin était quelqu'un de très généreux. Et de très doux aussi, c'était quelqu'un de très sympa,
très, très, vraiment très gentil. Et ça allait très bien avec le marsu, évidemment. Donc tu t'es pas senti bloqué de dessiner, mais tu t'es senti accompagné dans la manière dont tu as dessiné le marsu. Souvent, quand je dessinais le marsu, évidemment, je pense à Franquin. Et le savoir un peu, en quelque sorte, penché au-dessus de mon épaule avec son bon sourire, c'est porteur et ça va dans le bon sens, quoi. Voilà. Juste avant, si tu veux retourner à la table du dessin et redessiner le marsu comme tu le préfères, toi, Franck, pendant ce temps-là, je vais demander, je te laisse t'installer derrière la table et dessiner. Jean-Sébastien, donc c'est évident, le marsu a existé, on a eu des preuves formelles là. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il existe encore là aujourd'hui et qu'en Palombie, on peut encore trouver le marsu? Des éléments acoustiques, on en a parlé, des excréments qui sont très importants, hein, parce que au niveau des fossiles aussi, les excréments, on parle de coprolite, hein, copro c'est l'excrément et lithos c'est la pierre, c'est à partir souvent de ces éléments qu'on reconstitue carrément les chaînes alimentaires du passé, parce qu'on va regarder la moindre écaille éventuelle, le moindre morceau de dent qui vont être présents en fait dans ces excréments, comme un petit peu les collègues ornithologues, spécialistes des oiseaux, étudient aussi le comportement et la nourriture des rapaces nocturnes, notamment avec leurs pelotes d'éjection ou réjection, je ne sais plus exactement le terme précis, mais du coup, on n'a pas de traces directes, de preuves directes du marsu. On a quand même des éléments, et notamment des coquilles d'œufs, puisque le marsu pond des œufs. Et on a trouvé, en fait, lors de ma crypto-expédition zoologique ou expédition crypto-zoologique, je vais les mettre là parce que on les verra bien à la caméra. Un tout petit peu, voilà. Voilà, sans trop déborder sur le dessin de Franck. Voilà des coquilles d'œufs. Alors, subfossiles, certes, mais assez récentes, que l'on a échantillonnées en fait, au pied d'un nid, avant de se faire pourchasser en fait, par la junte militaire de Palombie. Et ça, ce sont des restes très intéressants. Pourquoi ? Parce que les collègues généticiens sont déjà dessus, ils font ce qu'on appelle la métagénomique, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de mieux comprendre l'ADN présent dans ces restes-là, s'il y a de l'ADN, parce que les coquilles sont des couches amniotiques qui sont calcifiées, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne, sans qu'il y ait de pollution d'ADN, parce qu'on va prendre toutes les conditions sanitaire, j'ai envie de dire, nécessaire pour bien étudier et extraire l'éventuel ADN de ces fossiles-là. Et puis, on va en faire des lames minces, comme on fait avec les coquilles d'œufs fossiles de dinosaures ou autres. On fait des coupes très fines, de manière à étudier la microstructure en fait, des coquilles, des œufs. Et en fonction de la microstructure, on peut en déduire en fait, la thermophysiologie, en français, le métabolisme, le degré de métabolisme du marsupilami. Est-ce que cette coquille-là était très aérée? Est-ce qu'elle contenait en fait beaucoup de petits trous naturels, des pores, qui permettaient à l'embryon de respirer directement, en fait, non pas à l'air libre, mais un petit peu encore dans le ventre de la mère, de la femelle. Et on va sans doute créer en fait, une OO espèce. OO, c'est un préfixe grec ou latin, je ne sais plus, typique en fait pour décrire ces espèces d'œufs. En fait, OO, c'est l'œuf. Et c'est exactement la même méthode que l'on utilise en paléontologie. On crée à partir de débris de coquilles. Alors parfois, on a des œufs plus ou moins complets qui sont non fécondés pour la plupart, mais il y a un petit pourcentage où il y a encore l'embryon dedans. Alors là, c'est le Graal pour le paléontologue. Vous avez l'œuf et l'embryon fossilisé à l'intérieur. Donc vous êtes capable directement d'affecter un nom d'espèce à un nom en fait, de coquille d'œuf, à défaut de trouver l'animal, bien sûr. Je propose maintenant que on prenne les questions des personnes ici et des personnes
en ligne, avec une petite précision pour les personnes qui sont ici dans la salle. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, mais il faudra vous lever, parler très fort et que je répète la question pour notamment les internautes qui suivent. Donc, il faudra faire une question assez courte parce que je ne pourrai pas tout retenir ou j'en prendrai que la fin ou le début. Donc, esprit de synthèse. On va commencer avec une question qui est en ligne. Franck, tu restes là où tu es bien. Donc, si j'en ai pour 30 secondes. Ah oui, non, mais si tu veux continuer et répondre aux questions depuis ta feuille, il n'y a aucun problème. Y a-t-il des traces de fossiles d'ancêtres du marsupilami? Et comment expliquer, d'un point de vue évolutif, le développement d'une queue de 7 mètres? Une adaptation au milieu arboricole? Point d'interrogation. Alors c'est une très bonne question, effectivement, cette queue hyper longue, à mon avis, peut-être que la première fonction n'est pas l'arboricolie, mais plutôt la communication. On observe souvent au cours de l'évolution des espèces, j'ai envie de dire un truc qui pousse, ou alors on parle d'innovation en fait morphologique, un nouveau caractère morphologique. Je ne sais pas, la présence d'une apophyse au niveau d'un os ou quoi, ou d'une nageoire impaire au niveau de l'échine, par exemple, etc. On colle une fonction à cette forme-là. Ah ben, s'il y a des pattes, par exemple, chez les premiers tétrapodes, hein, les tétrapodes, c'est tous les vertébrés qui ont quatre pattes ou qui avaient quatre pattes, comme c'est notre cas, nous, mammifères, mais aussi tous les reptiles, les oiseaux inclus, et puis les amphibiens. Et les premiers tétrapodes ressemblaient à des espèces de salamandres géantes avec quatre pattes. Et on pensait qu'elles étaient terrestres parce qu'elles avaient quatre pattes. Et si on a des jambes aujourd'hui, c'est pour marcher. Or, on s'est rendu compte que ces fossiles-là étaient conservés et contenus dans des sédiments marins. Donc, on a complètement revu notre copie. En fait, les premiers tétrapodes n'ont pas eu des jambes, entre guillemets, pour marcher, mais pour mieux équilibrer en fait, leur corps entre deux os. Et peut-être que le marsu est trompeur, parce que c'est un malin, et qu'on a tout de suite tendance à coller l'arboricolie comme cause ou adaptation en fait, à cette énorme queue, alors que peut-être il fait beaucoup de choses avec sa queue, hein, il ne fait pas que se déplacer de branche en branche, mais peut-être que la sélection naturelle a retenu des formes avec une queue allongée qui permettait de mieux communiquer et de survivre contre les attaques répétitives, encore une fois, des humains vis-à-vis de son environnement. De toute façon, les inventions de l'évolution ne servent pas toujours uniquement au premier but, mais servent à tout ce qu'on peut en faire. Un des meilleurs exemples, c'est la sexualité. c'est toujours beaucoup plus large que la fonction première. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, lancez-vous. Vous n'aurez pas toujours l'occasion de poser toutes les questions sur le Mars. Oui, je vous en prie, levez-vous. Parlez d'une voix forte. Et je répéterai. Comment ça se fait qu'un animal qui soit un monotrème hérite d'un nom qui évoque à ses points les marsupiaux? Alors, je vais répéter pour les personnes qui sont en ligne. Comment est-ce possible qu'un monotrème ait un nom qui soit si proche des marsupiaux? C'est parce qu'on fait des erreurs au début, on tâtonne, on croit que, et puis ça reste. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein, Oui, bah, l'ichthyosaure, typiquement, c'est le poisson, le lézard-poisson. Ichthyo, c'est le poisson, zorus, c'est le lézard. Hein, dinosaurus, c'est le lézard terrible. Ichthyosaurus, c'était le lézard-poisson ou le poisson-lézard. Et puis on s'est rendu compte que c'était un reptile marin, quoi. Ça n'avait rien à voir avec les poissons. Et le marsu brouille les pistes parce que. Voilà. Alors, ça veut, peut-être qu'on peut voir l'ami des marsupiaux aussi, puisque c'est aussi l'ami de toutes les autres bêtes, finalement. Donc, marsupiaux inclus. On s'en sort bien comme ça. Une question aussi en ligne. Un marsupilami peut-il avoir des idées noires? Probablement. Un marsupilami fâché, ça fait des dégâts. On l'a vu dans le nid du marsupilami de Franquin, avec sa puissance formidable. Ça fait peur. Oui, et puis au début du premier tome,
Le pauvre marsupilami qui revient de loin et qui sort de la soute du bateau, il broie du noir et il vaut mieux pas le croiser quoi, quand il sort de la soute. Oui, dans la bête. Puis, ça rappelle aussi quand les grands singes, quand ils, un mâle chimpanzé qui se fâche, là aussi il faut se garer. Un gorille aussi, ça, bon, lui il charge, il va plutôt intimider. Je suis souvent peiné de voir ces moments où quand les gens peuvent approcher un gorille, que ce soit là où j'étais les voir sur les collines au Congo, dans la nature, les gens cherchent toujours le regard. Or, chez les grands singes, regarder quelqu'un en face, un autre singe en face, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un début d'une agressivité. Alors qu'il vaut mieux un regard fuyant. Ou quand c'est dans des parcs animaliers, les gens se mettent tout près de la vitre, essayent de trouver le regard de l'animal, c'est pas une bonne chose. Et je m'étonne souvent que ces singes-là ont beaucoup plus de sagesse que les humains à ce moment-là, parce qu'ils ne se fâchent pas. Or, ils devraient, sur le plan comportementaliste, ils devraient se fâcher. On les provoque. Oui, je vous en prie. Oui, on sait que les jaguars viennent d'Amérique du Sud, d'où le fait que Marsupilami soit né là. Mais nous savons aussi qu'il y a une autre espèce, qui est le léopard, qu'on retrouve au Congo. Est-ce qu'on peut se dire qu'il est possible qu'on puisse rêver de retrouver un jour un cousin de marsupilami au Congo? Est-ce qu'on pourra trouver un jour un cousin d'un marsupilami au Congo? Eh bien, j'en suis persuadé. Parce que le marsupilami a une très longue histoire évolutive de plusieurs dizaines de millions d'années. Et peut-être qu'on pourrait trouver des fossiles en Afrique, puisque l'Afrique et l'Amérique du Sud, il y a quelques dizaines de millions d'années seulement, c'est-à-dire pas grand-chose à l'échelle de l'histoire de la Terre, étaient encore en un seul bloc, hein, qu'on appelle le Gondwana, c'est-à-dire la partie sud de cette grande Pangée de l'époque. Et l'éclatement des différents continents a permis finalement aussi à des nouvelles espèces d'apparaître, ou alors des branchements initiaux de radier, de se diversifier. Alors pour l'instant, la Palombie reste le pays vraiment propre aux marsus, mais à mon avis, on pourrait éventuellement trouver des fossiles partout ailleurs sur la planète. Moi, mon grand rêve, évidemment, en tant que paléontologue, c'est de trouver... Alors, du fossile, hein, plutôt du mort, hein, puisque je travaille sur ces objets-là, mais des fossiles exceptionnellement bien préservés, notamment dans le permafrost sibérien, où on ne trouve pas que des mammouths congelés. On trouve aussi d'autres grands mammifères, on trouve aussi des hominidés. Et donc, peut-être qu'un jour, on trouvera une carcasse extrêmement bien préservée de marsupilami qui serait passée par là, en Eurasie, il y a quelques dizaines, centaines de milliers d'années, ce qui est encore une fois assez peu à l'échelle des temps géologiques. Et enfin, donc l'idée qu'on a retrouvée dans des albums, idée un peu fantaisiste, qu'il existerait plusieurs espèces de marsupilami, ça pourrait être crédible, ça pourrait se confirmer. Tout à fait. Je me rappelle que Jigé, dans un... Ah, je ne sais plus quel album, il montrait un marsupilami, si je ne me trompe, africain, et qui n'avait pas de queue, pour le coup. C'est un peu triste, mais bon. Oui, en fait, c'est aussi comme ça qu'on fait la distinction entre les espèces. Quand on trouve un fossile, on doit absolument l'identifier selon ce qui est connu. Donc on fait une liste de caractères diagnostiques, présence de queue, absence de queue, etc. On essaie de distinguer les caractères dérivés des caractères archaïques ou entre guillemets primitifs. Et puis, si vraiment le fossile en question ne ressemble pas à ce qui est connu, on est entre guillemets obligé de créer une nouvelle espèce. C'est exactement comme ça qu'on procède. Et donc, je pense que c'est comme ça
qu'ont procédé en fait Franquin et son équipe à l'époque. La présence ou l'absence de caractère permet la différenciation spécifique. Donc on croise les doigts pour trouver peut-être une marsudiversité fossile qui éclairerait d'une manière beaucoup plus sérieuse en fait l'évolution de ce genre de mammifère. On peut encore prendre quelques questions. Oui. Comment vous expliquez que la queue du marsupilami résiste aussi bien aux morsures des piranhas ? Comment expliquer, juste je repose la question, comment expliquer que la queue du marsupilami résiste aussi bien aux morsures des piranhas ? Alors c'est vrai qu'on peut penser que vu que la longueur de la queue est de 8 mètres 50 et des... À l'état 53. Adulte ? À l'état adulte. Adulte, bien sûr. Pour le mâle. On peut se dire, bon, bah, le temps qu'il se fait mordre la queue d'un bout de son corps et que ça remonte au cerveau, le marsupilami va se faire grignoter la moitié de sa queue. Or, il se trouve que l'évolution des espèces est surprenante et qu'on observe, par exemple, chez les énormes céphalopodes et notamment calmars géants des profondeurs, que pour pouvoir attraper des proies ou même un petit peu latter les autres prédateurs comme des cachalots qui se baladent par là, il faut une réactivité nerveuse suffisante pour que l'animal réagisse quand on lui morde en fait, le bout d'un tentacule et que ça remonte vite en fait, au cerveau. Oui, parce que tu m'avais expliqué que l'influx nerveux n'est pas si rapide que ça. C'est pas comme un courant électrique qu'on connaît. Ça prend un certain temps. Oui, c'est plusieurs mètres par seconde quand même. Mais on observe des adaptations, et ça devrait être le cas du marsu, où les neurones en fait sont gainés d'une couche qu'on appelle la myéline et qui est très épaisse et qui permet d'optimiser la vitesse en fait de l'influx nerveux. Et ça, c'est avéré, c'est ce qu'on observe. C'est avéré chez les céphalopodes géants. Donc pourquoi pas chez les marsus, qui leur permettrait justement de sentir rapidement une attaque éventuelle. Et cette myéline pourrait renforcer aussi la queue et la rendre plus solide. Plus élastique. Plus aussi, élastique. Ouais, okay. avec pas mal de tendons aussi qui permettraient de tordre entre guillemets la queue dans n'importe quel sens en fait. La présence de tendons, je pense que la queue du marsu est multicouche, un petit peu comme les membranes en fait ou les ailes des ptérosaures, c'est-à-dire les reptiles volants qui évoluaient dans le ciel à l'époque des dinosaures. On sait maintenant grâce à des cas de conservation exceptionnels que ces membranes ailaires avaient une couche de tissu conjonctif, une couche de tissu élastique, une couche de tissu musculaire. Et à mon avis, la queue du marsu doit pomper, en fait, convergence évolutive oblige, peut-être les ailes des ptérosaures pour être aussi souples et actives et multitâches. Quoi. Et le nombre de vertèbres peut être infini dans la queue d'un mammifère. Oui, oui, oui. Enfin, infini jusqu'à une certaine limite, mais vous pouvez multiplier beaucoup plus facilement le nombre de queues, enfin... dit dans l'autre sens, on observe dans la biodiversité des mammifères un nombre de vertèbres au niveau caudal qui n'est pas forcément fixe par rapport au nombre de vertèbres cervicales. Hein, les mammifères ont 7 vertèbres cervicales, 7. À part quelques exceptions qui confirment la règle, mais ça c'est fixé. C'est fixé. C'est une sorte de... C'est pas fixé parce que Dieu existe. C'est comme le nombre de doigts à 5 à nos mains. C'est fixé. Disons que la sélection naturelle a retenu ce nombre-là parce que ça permet aussi bien d'avoir un cou un peu dans la tête, un peu rétréci, qu'un cou assez allongé. La girafe a 7 vertèbres cervicales. Seulement, en fait, par morphing évolutif, si vous voulez, elles sont hyper allongées. Alors, la question se pose pour le marsu. Est-ce qu'il a, en plus d'avoir un nombre assez impressionnant de vertèbres caudales, il a une longueur de vertèbres assez importante. On ne sait pas. Et alors, je pensais aussi à la trompe de l'éléphant, qui n'est faite que de muscles. Il n'y a pas d'os, il n'y a rien. Et qui, pourtant, est un organe particulièrement solide, puissant, souple. Il fait tout, l'éléphant, avec sa trompe. Ah oui, il fait tout avec sa trompe, sauf qu'il a besoin, entre guillemets, d'une sacrée fosse nasale
pour ancrer en fait des tendons et des organes comme ça en fait pour se servir de sa trompe. Et quand vous regardez en fait un crâne d'éléphant, vous voyez, avant de voir les deux yeux qui sont assez latéralisés, vous voyez un trou central énorme qui correspond en fait à la fosse nasale d'insertion en fait de la trompe. Alors, est-ce que le bassin du marsu présente un énorme trou ou un trou un peu plus, comment dire, qui complète aussi les trous naturels qui sont dans le bassin, hein, parce que le bassin est un système osseux assez complexe avec des fenêtres, c'est-à-dire des trous naturels. Peut-être que le marsu présente finalement au niveau du, alors soit en dessous, soit au-dessus, plutôt un trou naturel qui permet aussi l'insertion de tendons et une agilité de la queue à creuser. Une autre question, peut-on savoir combien de temps les bébés marsus restent-ils auprès de leurs parents ? On n'en sait rien, mais que pourrait-on imaginer pour un mammifère très évolué, normalement, quand les parents s'en occupent, c'est assez longtemps, c'est plusieurs années souvent. Oui, en fait, il y a une sorte de proportion entre l'intelligence, entre guillemets, intelligence animale aussi. Hein. On parle de plus en plus d'ailleurs d'intelligence animale, de culture animale. On se rend compte, quand on observe le vivant, que la notion d'intelligence, déjà, elle est difficile à définir, d'une part. Et puis, on observe aussi différents cas d'intelligence autres que la nôtre. Hein. Quand vous regardez des insectes sociaux, au niveau architectural, au niveau bioconstruction, une termitière ou une fourmilière, c'est quand même quelque part une œuvre d'art. Et on observe, sauf cas particulier justement des insectes sociaux, chez les mammifères, plus l'espèce est complexe, plus le comportement est complexe, plus en fait les jeunes restent longtemps avec les adultes pour la transmission, en fait. Donc c'est peut-être le cas du marsu. Est-ce qu'il reste quelques questions dans la salle ? Oui. Est-ce qu'on a une idée de l'espérance de vie du marsupilami ? Et à partir de quand il devient adulte ? On parlait des enfants là tout de suite. Moi, sur l'espérance de vie du marsu et de savoir à quel moment il passe au stade adulte. Ça, c'est très difficile à répondre. On n'en sait rien. Il est tellement proche et éloigné des grands singes, un monotrème qui s'est perdu dans la phylogénie. Là, c'est, on ne peut que imaginer. J'ai pas pour. Alors, la durée de vie d'un animal est souvent comme ça, empiriquement reliée à sa taille. Chez les poissons, par exemple, plus un poisson est grand, ou les reptiles aussi, plus un reptile est grand, un crocodile, plus il va vivre longtemps. Et il va aussi grandir pendant toute sa vie, poisson-reptile. Donc, vu la taille d'un marsu, je ne sais pas, moi je dirais une trentaine d'années, 30, 35 ans. Pardon. Oui, facile. Oui. Effectivement, chez les mammifères, il y a vraiment une relation assez claire entre la taille et la longévité, parce que quand vous êtes un mammifère, vous avez un certain mode de régulation de votre propre chaleur et vous avez la pompe cardiaque qui œuvre pour maintenir cette chaleur constante. Alors, chez nous, c'est une certaine température, chez d'autres espèces, ça peut varier. Mais en fait, vous avez à peu près 1 milliard de battements cardiaques comme durée de vie. Alors, si vous êtes petit, vous avez en fait votre cœur pulse parce que vous devez beaucoup plus travailler à l'intérieur pour maintenir cette température constante. Au contraire, si vous êtes énorme, un énorme mammifère comme un éléphant, votre surface de contact, votre rapport en fait entre la masse et votre surface de contact avec le milieu extérieur est en votre faveur et donc vous avez besoin de moins battre, de moins pulser en fait au niveau de la pompe cardiaque. Ce qui explique pourquoi un petit rongeur vit quelques mois, alors qu'un éléphant peut durer, entre guillemets, plus de 100 ans. Et les baleines aussi. Et les baleines. Voilà. Donc le marsu, on est un peu entre les deux, parce que le plus grand spécimen que tu as observé, il faisait combien à peu près
Je dirais comme ça. On a un maître. Assis comme ça, et puis debout comme ça. Voilà. Idéalement, il faudrait encore une fois un fossile qu'on trancherait, ou alors maintenant on n'a pas de méthode destructive, on a des scans 3D qui permettent de rentrer dans la structure interne de l'animal, dans la structure osseuse, et d'étudier ces questions de thermorégulation. Mais pour l'instant, on n'a pas de restes fossiles avérés. On prend une dernière question qui est posée en ligne. Existe-t-il d'autres animaux en Palombie qui soient aussi à l'aise que le marsupilami dans l'eau et dans les arbres et ailleurs dans le monde même? Ce serait formidable d'en découvrir. Ce ne serait pas étonnant que dans un milieu qui est préservé un marsupilami, on trouve encore d'autres espèces inconnues. On parlait justement des espèces découvertes récemment qui sont parfois de grande taille, qu'on ne connaissait pas. C'est tout à fait possible. Pour l'instant, on n'est nulle part. Peut-être aussi que le marsu, par son existence même, permet l'existence d'autres espèces autour de lui, par équilibre, par écologie, on va dire. Et que si le marsu disparaît, ces espèces-là disparaîtraient aussi. Ça se remarque beaucoup, hein, ces interdépendances entre espèces, parfois entre grandes espèces et toutes petites espèces, des insectes qui sont liés à des plantes ou à des oiseaux. Il y a plein d'exemples comme ça. Tu voulais compléter ? Oui, bah que effectivement tout est lié finalement en biologie, et on se rend compte que les réseaux entre espèces sont très importants. Alors on peut espérer effectivement aussi trouver une espèce, d'autres espèces finalement nouvelles au regard des connaissances actuelles pour la science en Palombie. Par exemple, les parasites. Il est tout à fait possible que le marsupilami, dans ses poils, ait des parasites particuliers, parce que l'animal est quand même très particulier, et donc que là, on découvrirait aussi des espèces d'insectes inconnus. Merci beaucoup. Merci Jean-Sébastien, merci Franck d'avoir animé, de nous avoir tout dévoilé du marsu ce soir. Franck, je précise que tu seras à l'Hôtel de Ville tout le week-end pour réaliser une fresque du marsu. Oui. Je représenterai un marsupilami en compagnie de ses amis animaux évolués. Donc on aura toute une série de singes et quand même aussi un ornithorynque et un échidné pour faire bonne mesure. Et donc ce sera une fresque de 6 mètres de long sur 1 mètre 50 de haut en 2 jours. Ça, c'est ce week-end. Et puis, tu seras aussi en signature vendredi entre 15h et 18h. Ce sera à la librairie de Citre-Bellecour. Merci encore à tous les deux. Merci à toute l'équipe aussi du musée qui nous a accueillis ce soir et qui est partenaire du festival Lyon BD. Très belle soirée à tous. Et vous le savez, du coup, ouvrez l'œil. On ne sait pas ce qui peut arriver. Merci beaucoup. Merci.